Bonjour, parlons d'elle. Je m'appelle Diara, je suis adjointe au maire en charge de la jeunesse, de l'emploi et de l'insertion à Évry-Courcouronnes. Et ma devise préférée en tant que femme, c'est pourquoi pas nous. Je suis adjointe au maire en charge de l'emploi, de l'insertion et de la jeunesse donc pour la ville d'Évry-Courcouronnes. Et j'exerce aussi toujours mon métier d'urbaniste aménageur au sein d'une agence qui s'occupe donc des projets de rénovation urbaine. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui m'a donné envie de m'engager en soi. J'ai l'impression que ça s'est un peu imposé à moi. J'ai un papa qui était déjà très investi dans la vie publique et politique de la commune. Et j'ai toujours baigné dans cet univers où la chose publique est très présente. La question aussi du temps donné aux autres, du temps consacré aux autres, l'engagement associatif. J'ai aussi beaucoup d'amis qui ont été à l'initiative de la création de beaucoup d'associations. Donc j'y ai toujours plus ou moins participé. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de passerelle naturelle qui s'est faite vers le conseil municipal et me voilà aujourd'hui. Je pense que j'ai commencé de la manière la plus classique. J'ai été investie dans des associations locales, et pas seulement d'ailleurs à Évry, Courcouronnes et dans le 91, presque partout en Ile-de-France. Puisque j'ai cette curiosité aussi de voir ce qui se fait ici et là, et puis j'ai la chance d'avoir des amis un peu partout. Ensuite, j'ai fait partie du conseil des jeunes de la ville d'Évry à l'époque, où j'ai été une militante active pour le droit des jeunes, les initiatives jeunesse. Et naturellement, ça m'a amené en fait à proposer ma candidature à Francis Choix, qui était le maire à l'époque, effectivement, pour faire partie de son équipe municipale. Il a choisi de me faire confiance en m'intégrant premièrement comme conseillère municipale, donc en charge du développement durable. Et puis en cours de mandat, je suis passée donc adjointe sur les questions de jeunesse. Et ensuite, c'est Stéphane Baudet qui a renouvelé son engagement envers moi, en me proposant donc de continuer sur ces délégations jeunesse et en y ajoutant l'emploi et l'insertion. Je ne sais pas si on peut parler de qualité, mais en tout cas, je pense que s'il y a des prédispositions qu'il faut avoir, c'est un sens du dévouement, une certaine forme d'altruisme. Je pense que quand on est trop replié sur soi ou qu'on est uniquement préoccupé par sa petite personne, on peut difficilement concevoir de passer beaucoup de son temps au service des autres, beaucoup de son temps en dehors de son foyer familial, à se battre pour des causes qu'on ne défend peut-être pas forcément en premier lieu, mais pour les autres. Donc je dirais d'être tourné vers les autres, d'être solidaire aussi, d'avoir de l'empathie. Je pense que c'est important de se mettre à la place des gens, de rencontrer des gens qui ont des considérations, qui vivent des difficultés différentes des nôtres, de pouvoir s'en imprégner pour les comprendre et mieux ajuster le tir et notamment les politiques publiques qu'on porte me paraît être un bon préalable. Les évolutions à venir, il y en a tellement! Écoutez, moi je suis pas la plus grande des féministes, mais je pense que il faut qu'il y ait des femmes. Il faut qu'il y ait des femmes au parcours diversifié. Voilà. Et quand je parle de parcours diversifié, je n'entends pas seulement la diversité au sens ethnique, parce que pour moi, on ne doit pas se différencier ou être choisi pour ces raisons-là, puisque pour ma part, je suis noire, vous l'aurez remarqué, mais je ne l'ai pas choisi. Voilà. Donc, ce n'est même pas quelque chose que je revendique en soi. Mais je pense que voilà, le paysage politique français mériterait d'être peuplé, en tout cas d'être constitué de plus de femmes, d'une plus grande représentativité aussi dans les classes d'âge aussi. Je pense que même si c'est pas simple de s'engager quand on est jeune, moi je l'ai fait parce que voilà, j'ai grandi dans un univers qui fait que, mais je peux tout à fait entendre que quand on a 26, 27 ans, on est plutôt préoccupé par la dernière sortie de l'album rap ou alors là où on va aller en vacances avec ses amis, etc. etc. Mais c'est quand même important de le faire. Et puis quand je parle de diversité en termes de profil, c'est vrai qu'il y a les grandes institutions qui sont voilà, composées de hauts fonctionnaires, des personnes qui ont fait des parcours type Sciences Po. Moi, je n'ai pas fait Sciences Po et j'ai fait l'université classique, l'école publique, et vous voyez, elle produit encore de bons produits. Et je pense que voilà, il peut y avoir des personnes qui sont aussi issues, entre guillemets, de la société civile. Moi, je considère que je suis issue de la société civile, mais je pense qu'on devrait plus laisser des possibilités pour des personnes qui n'ont pas forcément grandi dans cet univers-là, qui portent un intérêt et qui ont envie de s'engager. Voilà. Dès lors qu'on a envie de s'engager, je pense qu'il faut donner les moyens aux gens de le faire. Clairement en sous-effectif. Il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes, vous voyez. Je suis bien contente qu'on ait une première ministre femme. C'est vrai qu'on ne devrait pas la choisir juste parce qu'elle est une femme, et je suis certaine qu'en plus, on ne l'a pas choisie uniquement parce que c'est une femme. Il y en a tellement peu qu'on retient le fait que c'est une femme, effectivement, mais c'est une bosseuse. Moi, je ne la connais pas personnellement, mais elle jouit d'une très bonne presse auprès des personnes qui ont travaillé avec elle, qui l'ont côtoyée. Elle est connue comme étant une technocrate, dit-on, un terme qu'on peut qualifier
parfois réducteur, mais je pense que c'est bien aussi d'être qualifié de technocrate parce que ça prouve qu'on a une certaine assise, je dirais, on a une base en tout cas. Voilà, ça c'est évident, mais et j'ai beaucoup aimé voilà, les mots qu'elle a prononcés. Elle voudrait effectivement que toutes les petites filles y croient et pensent que c'est possible et je suis d'accord avec ça. Vraiment, je le redis, je ne suis pas une grande féministe ou je ne suis pas une grande défenseuse de la cause des femmes, mais je pense effectivement que dans notre société, il y a encore beaucoup de places stratégiques qui sont occupées par des hommes. Je pense qu'on est dans une société qui évolue sous un schéma très patriarcal et je pense que les choses peuvent tendre vers un équilibre. Voilà. Alors, j'ai plusieurs références. Mais je vais en citer une, voilà, elle, ça sera pas, c'est pas hautement philosophique, hein, vous m'en excuserez, mais je l'assume. C'est l'élection de Sonia Roland comme Miss France, je crois que c'était dans les années 2000, j'ai plus la date exacte. Pourquoi ? Parce qu'on a vu cette femme de peau noire, d'un naturel inégalé, avec les cheveux courts arrivés, et je me suis dit, ah, oui, la France, c'est aussi des femmes comme ça. Et je suis bien contente que ce profil de femme ait été enfin reconnu. Je me suis souvent demandé, mais comment je peux faire effectivement pour qu'il y ait plus de femmes parmi nous, par exemple en politique ou qui s'engagent dans toutes les autres sphères. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus globalement, la société doit permettre aux femmes de pouvoir s'engager. Je pense qu'il y a tout un tas de règles qui peuvent être assouplies. Il y a un regard aussi à changer sur les femmes, notamment, vous le savez bien, hein, nous portons la vie, ce qui est quelque chose de très important. À ce titre, effectivement, on bénéficie de congés maternité, mais c'est encore une rupture dans le cadre du parcours professionnel qui est souvent de nature à handicaper ou en tout cas à freiner l'ascension professionnelle d'une femme, là où typiquement un homme peut accéder plus rapidement dans son parcours professionnel à des postes à responsabilité. Je pense que voilà, il y a quelque chose à démystifier autour de ça. À force d'explorer d'autres départements de l'Île-de-France, ben, je me rends compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et elle est d'ailleurs très verte, même à Évry-Courcouronnes, puisque on a une ville qui est très dotée en espaces verts. On dénombrait presque 24 mètres carrés d'espaces verts par habitant, ce qui est colossal. Je pense qu'il n'y a pas énormément de villes de seconde couronne qui peuvent se targuer de ça. Et aussi parce que c'est le département qui m'a vu grandir. Alors, je ne suis pas née, moi, en Essonne. Je suis née dans le Val-de-Marne. Je suis arrivée en 1989, quand j'avais 2 ans. Mais pour autant, j'ai fait la plus grande partie de ma vie en Essonne. Et ce que j'aime dans ce département, c'est un département où moi je me retrouve. Je me retrouve dans ma manière de vivre, dans ma manière de penser, de faire les choses, d'évoluer. J'ai l'impression qu'en Essonne, toutes les possibilités me sont données pour que je puisse m'épanouir personnellement, professionnellement, et peut-être plus en Essonne qu'ailleurs d'ailleurs. Pour nous, et surtout avec nous les filles.